Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la super cassette vision de la marque Epoch, cette console japonaise un peu rare et méconnue, mais qui est pourtant sortie en France, et pour laquelle j'avais donc consacré mes deux vidéos précédentes. La première était consacrée à la console elle-même, on l'avait testée, on l'avait ouverte, on avait regardé ce qu'il y avait dedans, on avait un peu étudié son histoire et testé quelques jeux. La deuxième vidéo était consacrée, elle, au test de tous les jeux disponibles pour la super cassette vision, même les Homebrew, ces programmes sortis ces dernières années et programmés par des petits génies japonais qui n'ont rien d'autre à faire que passer des heures à essayer de recréer Mario sur la super cassette vision. Bravo à eux. Et comme j'avais promis, voici la troisième vidéo consacrée à la seule cartouche que je n'avais pas testée la dernière fois, celle du Super Basic. Et oui, une cartouche qui transforme la console Super Cassette Vision en un véritable ordinateur, dans la bonne tradition du début des années 80. Il se trouve que j'ai la cartouche et la dock, et que ce genre de gadget me fait trop kiffer, car à l'époque, la plupart des constructeurs de consoles de jeux, face au succès grandissant des micro-ordinateurs, se sont crus dans l'obligation de créer des extensions ou des cartouches pour transformer leur console en véritable ordinateur. On a par exemple eu le CompuMed de Spectra Video pour l'Atari 2600, ou encore et surtout le clavier Famicom pour programmer la Famicom, c'est-à-dire l'ancêtre de la NES, en basique et la transformer donc en véritable ordinateur. Alors pour la Famicom, ben c'était bien, il y avait un clavier, c'est pratique, on peut taper ses propres programmes, mais pour la Super Cassette Vision, ce n'est pas le cas, il y a juste une cartouche et la dock, et il faut tout taper avec le joystick et le pad numérique de la console, ce qui n'est pas de la tarte, on va voir ça tout à l'heure. Mais si je vous montre le clavier de la Famicom sorti en 1984, c'est bien parce que c'est à cause de lui que Epoch s'est cru obligé de sortir lui aussi sa cartouche de programmation en basique. Et oui, on testera le basique de la Famicom dans une autre vidéo, mais je peux vous dire tout de suite que la cartouche basique pour la Super Cassette Vision est très très copiée sur celle de Nintendo. Allez, trêve de bavardage, on va tester tout ça et on va essayer de programmer un jeu. Bon, mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de regarder cette cartouche de plus près avec sa dock tout en japonais. Très exotique, très mignon, le petit dessin, voilà. Hein, bien sûr, c'est un garçon qui programme et il fait apparaître des filles à travers sa télé. C'est normal, c'est japonais. Alors, la cartouche elle-même, c'est une cartouche plus grosse que les cartouches classiques pour la Super Cassette Vision. Assez lourde. Mais assez lourde, pourquoi? Parce que déjà il y a du matos à l'intérieur et surtout il y a deux piles LR6 qu'on peut mettre à l'intérieur pour sauvegarder les programmes. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est un aspect important de cette cartouche, c'est qu'on peut sauvegarder nos programmes qui restent en mémoire tant que les piles sont bonnes, et restent en mémoire aussi quand on met la cartouche dans la console et qu'on laisse la console allumée. À ce moment-là, la cartouche est alimentée. Et donc, ça permet de changer les piles aussi. Quand les piles sont plus bonnes, on peut changer les piles sans perdre notre programme. Les piles servent à stocker le programme et les sprites qu'on peut redéfinir soi-même. On verra ça aussi tout à l'heure. Du coup, avec le matériel qu'il y a à l'intérieur de la cartouche et les piles, ben, elle pèse son petit poids. Le dock, c'est tout mignon. Voilà, c'est tout en japonais. Évidemment, ça n'a jamais été traduit en anglais ou en français, vu que cette cartouche n'était disponible qu'au Japon et que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont utilisé et programmé des trucs avec, à part moi, en 2022. Donc, la dock est pas mal faite. Hein, ça commence par des introductions générales sur le concept de programmation, puis des premières instructions, color, etc., locate pour afficher du texte, ainsi de suite. Et puis après, voilà la partie sur le son. Après, on tombe sur les programmes qui sont fournis, les jeux en fait qui sont déjà fournis dans la cartouche, les jeux de démonstration. Et donc, petit à petit, il y a tout qui est expliqué, et notamment chaque listing des 4 jeux qu'on verra tout à l'heure sont listé et expliqué. Voilà, pour chaque ligne, on a la ligne en basique et à côté la signification en japonais. Donc c'est assez assez pédagogique, didactique. Voilà, et après ça, on rentre un peu plus dans le vif du sujet en termes de gestion des sprites. Puis on a la liste complète des instructions avec les paramètres et la façon de procéder pour les utiliser. Voilà, allez, on va pouvoir brancher tout ça et voir ce que ça donne. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de la cartouche, on va pouvoir l'insérer dans la console et allumer la console et voir ce qu'il y a dedans.
Et voilà, on se retrouve avec le menu de Super Basic, comme ils disent au Japon, enfin je crois, avec en 1, Basic, en 2, Character Design, donc un éditeur de sprites. Oula, et la musique commence toute seule si on prend trop de temps à expliquer le menu. Mais en appuyant sur Enter, il y a une petite pause de silence pour que je continue à vous expliquer. 3, on a des jeux intégrés. Oui, des jeux qui ont été programmés par les gars d'époque et insérés dans la cartouche. Et en 4, Game List, pour pouvoir lister, afficher le listing basique de ces jeux. Donc une option un peu éducative pour essayer de comprendre comment ils ont été faits. Eh bien, on va commencer directement par l'option 3. On va tester ces jeux qui sont intégrés à la cartouche. 3, entrée. Et donc, on a 4 jeux qui sont proposés. Breakout, Block Vader, Fruit Squash, à mon avis c'est Fruit Squash, et Block River. Waouh! Tout un programme. Allez, on va essayer le premier, Breakout. Wopopo. Essayons de comprendre ce qui se passe. Push Start Button. Ok. On a une petite fille en bas. On doit faire rebondir une orange sur le mur. Ok, il y a des Pac-Man sur la droite et la gauche, sur le côté. Et puis on a un personnage qui va très très vite en bleu et qui à mon avis, ou en forêt, ne sert à rien. Essayons de rebondir l'orange sur les... Ouais. Ok. En fait le personnage en bleu il est un peu... Disturbing. Attends, à chaque fois le left 3 là il a diminué quand je tape des Pac-Man. Note. Ok. Bon, essayons de détruire le mur en entier. Hein. Voilà. Ah, l'orange accélère. C'est un peu confus. Alors, plusieurs choses à dire. Ok. 1. C'est programmé en basique et il y a des sprites qui bougent dans tous les sens. Je pense que les sprites bleus, là, des personnages qui vont hyper vite, c'était un peu du show-off, histoire de montrer « Waouh, vous avez vu ?» Nous, on arrive à faire bouger des trucs hyper vite et c'est programmé en basique. Donc, je pense que ça sert juste à ça. Mais ouais, il faut pas toucher les Pac-Man, sinon on perd des vies. Ok. Donc, il y a plein de sprites à l'écran. C'est programmé en basique. Je pense que le listing est pas très long, on ira voir tout à l'heure. Et ça fonctionne. Petit casse-brique. Bon, gentil, hein, la gestion de la direction du rebond, mais c'est pas mal quand même. Allez, voyons le prochain jeu. Bon, testons le deuxième jeu, Block Vader. Push Start Button. Ah. On a un vaisseau, on peut tirer sur des fruits. Ça va pas le japonais, hein. Faut arrêter. Je sais pas ce qu'il fume, mais... C'est n'importe quoi. Bon. Wow, 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 Pac-Man, là. Et il y a une grosse barre en haut. On va essayer de comprendre ce que c'est. Ok. Une sorte de Space Invader avec les sprites qui sont déjà intégrés à la machine. Et si on veut toucher tous les fruits, bien sûr, tu vas me faire chier, toi. Il fait exprès, lui. Merci. Et tous les blocs. Bon, là aussi, hein. Gavé de sprites en même temps. Et c'est programmé en basique. Étonnant. Étonnant. Clear round, push start button. Et ça recommence. Je sais pas si le round, le niveau supérieur, rajoute des fruits. Mais enfin, bon, on s'en débarrasse un peu vite. L'intérêt est quand même limité de Block Vader là. Allez, on va tester le jeu suivant. Flute Squash. Oui, oui. Flute Squash. Fluid Squash. What the hell? Je suis quoi, moi? Je suis un petit bonhomme. Je sais pas, on dirait un avion. Ah!
Faut choper, voilà. Faut choper tous les fruits en évitant les Pac-Man. Ok. Merde, game over. Attends, le temps que je comprenne, là, c'est allé assez vite. Bah, re-essayer. Ok. Ok. Ça, j'ai le droit. Ça aussi. Ça. Les... Je sais pas quoi. La fraise, la cerise, c'est pour moi. Wow, wow, il commence à avoir 10 000 Pac-Man, là. Ils étaient où, là? Et la fille, je peux ou pas? Je sais pas, vu le son, je l'ai quand même défoncé, la fille. Je suis désolé. Il reste juste la cerise. Viens ici. Yes! Clear stage 1. Push start button. Bon, concept rigolo. Là aussi, je pense que c'est pour démontrer que, waouh, il y a gavé de sprites à l'écran. On peut le faire. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. Allez. On va voir l'autre jeu. Et c'est parti pour Block River, le quatrième et dernier jeu. Ça serait pas une sorte de Frogger? Je suis où là? Ah ouais, la petite fille, j'imagine. Push start button, c'est ça. C'est une sorte de Frogger avec des escargots et... Ah, et des renards. Cours. Ok. Un fruit s'est affiché en bas, il faut que... Oupsie... Hop, 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 hop. Que je redescende. Ok. Et il faut que j'aille chercher un autre fruit en haut, et ainsi de suite. Ouais, pas mal le concept. Rigolo. Rigolo. Par contre, les renards en haut vont quand même super vite. Baf, c'est hyper chaud. Ok. Ok, pas mal. Bon, ben voilà, on a fait le tour des jeux qui sont proposés avec la cartouche super basique. Bon, alors, pas de quoi s'amuser non plus pendant des heures, mais c'est histoire de démontrer les possibilités de programmation de cette cartouche. Ok, maintenant qu'on a vu les super jeux qui sont intégrés à la cartouche, peut-être qu'on peut tester l'option 4 pour voir le listing de ces jeux. Et donc, par exemple, le listing du premier, Breakout. Et voilà, il nous liste automatiquement le listing en basique de ce jeu, le premier qu'on a testé, l'espèce de casse-brique. Il y a quelques lignes, mais c'est pas non plus un listing qui est super long. Bon, on va pas rentrer en détail dans ce listing, puisque juste après, on va tester le basique et je vais vous montrer un peu les spécificités de ce langage, les instructions qui gèrent les sprites, les couleurs, etc. Et puis tout à l'heure, je programmerai mon propre jeu et on regardera son listing un peu plus en détail également. Alors, il nous reste à voir l'option 2, le caractère design, qui est en fait un éditeur de sprites. Hop. Alors, on se retrouve donc sur l'éditeur de sprites. Et on voit qu'à droite, on a 8 sprites qui sont disponibles sur les 32 que contiennent la console. Les 32 sprites prédéfinis. Alors, pourquoi ça? Mais vous verrez tout à l'heure qu'en testant un petit programme, on pourra afficher tous les sprites qui sont prédéfinis dans la console. Et qu'ici, il n'y a que 8 qui sont proposés, parce que ce sont les 8 qu'on peut modifier pour nos propres jeux. Oui, les 24 autres, en fait, ben on peut pas y toucher, ils sont stockés en ROM, et c'est comme ça. Mais ceux-là, on peut les redessiner comme on veut. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure pour le jeu que je vais programmer, je vais redéfinir le sprite là de la boule de feu, je vais le redessiner en un météore. Oui, mais je garde encore la surprise. Alors, avec le pavé numérique, vous appuyez sur 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et à ce moment-là, vous sélectionnez le sprite de votre choix. C'est quoi d'ailleurs cette horreur-là? C'est quoi ça? Je comprends pas du tout, on dirait une fraise du futur, ou un vaisseau spatial en forme d'araignée, je comprends rien. Bref, alors par exemple, ce sprite horrible, oui, parce qu'il est horrible, je peux, en appuyant sur le bouton gauche du joystick et en allant à droite, supprimer des caractères. Alors, hop, je mets dessus, j'appuie sur le bouton, je vais à gauche, je supprime des caractères. Après, si j'appuie sur le bouton et que je vais vers le haut, je choisis la couleur de mon choix. Par exemple, ici, du rose. Et si j'appuie et que je vais à droite, je dessine la couleur que j'ai choisie. Ok, et si j'appuie sur le bouton et que je vais vers le bas, je change la couleur de fond. Alors, la couleur de fond, elle n'est pas stockée dans le sprite,
mais elle me permet à moi de voir, suivant le jeu que je veux faire, qu'est-ce que le sprite donne sur une autre couleur de fond. Disons que je vais faire une araignée qui court dans l'herbe. Voilà. Je vais sélectionner ça. J'appuie sur le bouton, je vais à droite pour redessiner. J'appuie sur le bouton, je vais en haut, je change la couleur. Sachant que, suivant les couleurs qu'on a commencé à dessiner sur des sprites, on ne peut pas non plus choisir n'importe quelle couleur. Je crois que chaque sprite a une palette restreinte de 4 ou 5 couleurs. Voilà, donc normalement, si je change de sprite et que je reviens sur celui-là, mes modifications restent, et du moment qu'il y a des piles dans la cartouche, quand je vais éteindre la console et que je vais la rallumer, les sprites que j'ai définis moi-même auront été sauvegardés et je pourrai les utiliser dans mon propre jeu. Donc pour résumer, on a accès à l'éditeur de sprites, et tous ces premiers sprites là, de 0 à 8, je peux les redéfinir et les utiliser dans mes jeux. Ok, c'est bon, vous avez compris, on peut passer à la suite. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour de tout ce que offrait cette cartouche, à part l'essentiel, c'est-à-dire l'option numéro 1, le basique. Donc, on va rentrer dedans et voir ce qui nous est proposé. Époque basique, copyright 1986, époque. Alors, comment ça se présente? Comment je vais pouvoir taper des programmes en basique en entier sur une console qui n'a pas de clavier? En fait, le concept est simple. C'est-à-dire, quand j'appuie sur le bouton de la manette et que je descends, vous voyez que je fais défiler des instructions, des lettres et des chiffres et des symboles, etc. Et ça boucle parce que, voilà, je reviens sur le premier qui correspond aux chiffres. Donc par exemple, si j'appuie et je descends un coup, j'ai des instructions. AND, OR, NOT, RENUM, RUN, COUNT, LIST, LOAD, NEW, AUTO. Et en fait, ces instructions sont accessibles via le pad. Par exemple, si on fait 1 qui correspond à l'instruction LIST, ENTREE, EN, la petite touche EN pour ENTER sur le pad numérique. Hop, un listing apparaît, what the fuck? Mais en fait, je crois que c'est le listing du dernier jeu auquel on a joué, le dernier jeu qui était chargé en mémoire. Donc, ben, il nous met le listing du jeu. Ok, justement, je vais effacer le jeu, 3, touche 3, qui correspond à l'instruction new, entrée. Et là, si je refais list, 1, entrée, j'ai plus rien. Ok, mais à quoi correspondent les couleurs alors sur les carrés? J'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, c'est juste un reminder, c'est juste pour vous rappeler les codes couleurs utilisés par la console. Donc 1 c'est noir, 2 c'est bleu, 3 c'est magenta, 4 c'est vert, et etc. Et comme il y a plus de couleurs qu'il y a de touches sur le pad, en bas à gauche, à partir de 10, 11, 12, 13, 14, 15, ce sont juste des carrés pour continuer à vous rappeler des codes couleurs utilisés par la console. Bah c'est bien utile parce qu'au lieu de compulser la doc, qu'on programme, on peut retrouver les couleurs facilement en regardant l'écran. Donc par exemple, voyons la première instruction. Donc j'appuie sur mon bouton, je descends et je cherche l'instruction color qui a le numéro 9. J'appuie sur color. L'instruction color, elle demande deux paramètres. Une couleur de fond. Fuck. Vous voyez, là, c'est la difficulté de programmer avec ça, c'est que je voulais taper 1, mais je suis toujours sur la partie où il y a des instructions. Donc, il faut que je remonte, voilà. Et puis, là, c'est l'occasion aussi de parler de l'éditeur. J'ai fait une erreur, donc je reviens en arrière avec le joystick, j'appuie sur le bouton, je vais à gauche, il supprime ce que j'ai tapé. Et ça, c'est quand même bien pratique avec le joystick, l'éditeur, c'est bien foutu. Donc là, je suis bien sur la partie qui me permet d'afficher des chiffres, je vais pouvoir faire 1. Maintenant, il me faut une virgule. Aïe, il faut la chercher. Voilà, touche 9, OK. Et maintenant, je vais redescendre jusqu'au chiffre pour entrer la couleur de l'encre. On va dire, par exemple, 12. Entrée. Alors bon, j'ai inversé, en fait. Effectivement, c'est plus logique. Le premier chiffre correspond à la couleur de l'encre et le deuxième chiffre à la couleur du fond. Alors, je pourrais retaper une deuxième instruction couleur pour faire un autre test, mais ce que je vais faire, je vais plutôt aller directement sur la ligne. Je vais mettre ici, j'appuie sur le bouton, je vais à droite, ce qui insère un espace, et je vais pouvoir rajouter un autre chiffre. Donc, par exemple, je veux toujours le fond de couleur jaune, mais je veux une encre blanche. Eh bien, je vais taper 15. Hop, entrée. Bim ! Bim ! Voilà ! Bon, ça, ça reste du classique, hein. Voilà, une instruction color qui gère les couleurs d'affichage. Ok, passons au son maintenant. Alors, pour le son, il existe deux instructions.
Sound et Play. Play est plutôt classique, on va dire que c'est pour jouer des notes de musique suivant des fréquences, et puis il y a un ou deux paramètres supplémentaires pour gérer le volume et la durée. C'est du classique. Mais l'instruction Sound est bien sympa, puisqu'elle vous permet de jouer des sons prédéfinis, un peu comme sur l'Oric, vous vous rappelez, où il y avait Zap, Explode, Ping, etc., Shoot. Mais là, c'est un peu pareil. Ok, vous êtes prêts à taper avec moi un petit programme pour tester tous les sons proposés par l'instruction Sound? Eh bien, on y va, on va taper tout ça sur le clavier avec nos petits doigts. Eh bien, non! Non! Voilà, on est obligé de tout rentrer à la manette. Voilà, avec le pavé numérique. Hein? Alors, c'est parti. Allez, on va faire un 10. Alors, ce qui est étrange et qui est vraiment bizarre, c'est bizarre quand même. Moi, j'ai toujours dit que c'était bizarre. C'est qu'il n'y a pas d'instruction CLS dans les propositions prédéfinies. Et oui, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a certaines instructions CLS, je vous rappelle, qui veut dire clear screen, qui va effacer l'écran. Il y a donc certaines instructions qui ne sont pas proposées et il faut rentrer à la main, lettre par lettre, avec le pad, les instructions. Voilà. Allez. 10 CLS, donc on efface l'écran. Hop, 20. On veut faire une boucle pour faire jouer tous les sons. Une boucle fort, ici, la touche 2. Après, hop, c'est parti, on choisit un numéro de variable. Traditionnellement, le I. Pourquoi le I? Je ne sais pas, me demandez pas. On redescend pour chercher le égal qui est sur la touche 0. Oui, c'est assez pénible, hein. C'est assez long en fait. Beaucoup plus long que taper au clavier, ça c'est clair. Mais en même temps, ce basique propose des instructions assez puissantes qui vous évitent de taper des mi-lignes. Donc l'un dans l'autre, hein, c'est sympa. Alors, for i égale, on va aller de 1. Est-ce qu'il y a le tout? Oui, touche 3. Hop, tout 9. Oui, cette instruction peut jouer 9 sons prédéfinis. 30, c'est là que c'est sympa. On va chercher l'instruction sound. Voilà, touche 9, sound. On va lui faire jouer le numéro de la variable. 9. Entrée, 40. Next, i. Il est où le next? Il est sur la touche verte. Next. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre le i, mais on est quand même un bon programmeur. On respecte les règles. Entrée. Ok, mais si on fait ça, il va jouer tous les sons à la suite hyper vite, je vais rien comprendre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, un, ils me disent quel numéro de son c'est, et puis qu'ils me fassent une pause pour que j'ai le temps de bien les entendre. Alors, on va faire 32, print, et on va afficher le numéro du son. 9. Ok. La 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 la. 35. Et on va faire une deuxième boucle dans le vide pour faire une pause. Oui, parce que ce basique n'a pas d'instruction wait qui permet d'attendre un petit peu quelques secondes. Donc on va se refaire une boucle rapidement. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. 2 for w égale 1. Tout. On va dire 100. 100. 2 points. Next. On a deux boucles imbriquées donc. Il faut bien définir la bonne variable. 3, W, enfin touche 3. Entrée. On va vérifier quand même tout ça en faisant un petit liste. Liste. Hop. Ok, normalement ça devrait marcher. On fait un run et on tend l'oreille, on écoute bien les sons et on va voir le numéro du son à chaque fois. Ok, on a eu tous les sons en même temps. Wow, wow, wow! On a eu tous les sons en même temps parce que notre boucle jusqu'à 100, elle sert à rien en fait. Le basique est trop rapide et il a passé super vite. Je refais liste. For W égale 1 tout 100. Next W, ça va trop vite. On va rajouter 1000. Voilà. Allez, puisque tu nous as cherché. Next W. Entrée. Ok. Run. Attention. Yes. Ouais. Petit. Et voilà. C'était tous les sons qui sont prédéfinis dans l'instruction sound. Ok, on a vu le son maintenant. Attaquons-nous aux sprites. Et bien, pour les sprites, on a une instruction qui s'appelle
Sprite. Et qui prend comme paramètre d'abord un numéro de 0 à 31, hein, qui sera le numéro d'identification de ce sprite. Créons un sprite dont le numéro d'identification sera 1. Alors, il faut que j'aille chercher la virgule, c'est chiant. Et comme j'aurai besoin de plusieurs virgules, je les mets tout de suite. Parce que sinon, c'est pénible. Je me crée un espace. Le deuxième paramètre, c'est les coordonnées X du sprite. Ça peut aller de 0 à 127. On va se mettre un petit 50. On passe à l'instruction suivante. Et vous l'aurez compris, en toute logique, c'est les coordonnées Y du sprite. On va aussi mettre 50. Et le dernier paramètre, c'est le numéro de sprite qui est stocké dans la mémoire morte, c'est-à-dire quel sprite on va afficher quel dessin. Donc vous avez vu avec l'éditeur que les 8 premiers, c'est des sprites que je pourrais définir, et que les 24 autres, ce sont des sprites prédéfinis, stockés en ROM. Je ne me rappelle plus exactement à quoi ils correspondent, mais on va en mettre un au hasard. On va mettre le 15, par exemple. Ok, vous êtes prêts? On appuie sur Entrée. Screen mode error. Screen mode error. Screen mode error. Mais oui, je le savais, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait des messages d'erreur qui étaient prévus sur la super cassette vision. Pas de panique, je sais quoi faire. Alors déjà, on va faire new pour effacer le programme qui est stocké en mémoire. Puis on va ici, on se fait de l'espace. Voilà, hop, on fait 10. Entrée. En fait, ce qui se passe, c'est que cette instruction sprite et les autres instructions qui gèrent justement les mouvements, les collisions, etc., elle ne peut pas être tapée directement là, comme ça, là. Non, c'était pas possible, Olivier, tu ne pouvais pas le faire comme ça. Il faut que ça soit dans un programme et il faut que juste avant, il y ait un CLS pour effacer l'écran. Ce que je vais faire tout de suite, c'était pour voir si vous suiviez. Ok, on va faire une petite liste pour être sûr que c'est le bon programme qu'on a tapé. Liste, entrée. Effectivement, 5 CLS, 10 sprite, 1, 50, 50, 15. Alors, on peut faire un run de ça et voyons ce qui se passe. Et voilà, on a affiché une poire, je sais pas, une prune, un fruit. On a affiché un fruit au milieu de l'écran. Si je refais liste et que je modifie les paramètres, par exemple ici, je vais mettre plutôt à gauche de l'écran et là je vais le mettre plus bas, c'est-à-dire à 100. Donc normalement, logiquement, on devrait se retrouver vers là. Et puis le sprite, je vais changer, je vais mettre 14, voir ce que c'est. Entrée, on fait un run et il y a une cerise qui apparaît effectivement en bas à gauche de l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre un peu plus à droite quand même. Donc on va plutôt faire qu'on le voit mieux, qu'il ne soit pas coupé par le bord de l'écran. La cerise. Ok, entrée. Et puis en ligne 20, ce qu'on va faire, on va utiliser notre instruction qui s'appelle move. Alors move, c'est bien pratique. Ça prend un sprite, donc un numéro sprite. On va dire, eh bien, on veut faire bouger le sprite qu'on a créé, c'est-à-dire celui qui avait le numéro d'identification 1, 9, 9. Ok, je prévois les autres paramètres. Et les deux autres paramètres de l'instruction move, c'est à quelle vitesse on veut que le sprite bouge horizontalement et verticalement. D'abord horizontalement, on va lui dire avance de 5 pixels horizontalement. Et avance de, on va donner une valeur négative, avance de moins 3 pixels, c'est-à-dire qu'on veut que le sprite remonte légèrement, il va partir de là, il va remonter l'écran, si je ne suis pas trompé. Vous êtes prêts? 5, run. Et voilà. Voilà. Il n'y a rien à faire. Voilà, deux instructions et on a un sprite coloré qui bouge tout seul à l'écran. Et on pourrait faire ça en boucle, comme vous avez vu dans les programmes de jeu qu'on a testé. Ils peuvent générer en boucle comme ça plein de sprites qui vont s'afficher à l'écran, bouger tout seul, on n'a rien à faire. Quand ils disparaissent à droite, ils vont réapparaître à gauche. Et vous voyez que même là, le programme s'est arrêté, mais le sprite continue à bouger tout seul. C'est de la magie, c'est fou.
Vu qu'on a fait le tour un peu d'instructions, il reste une instruction un peu bizarre que je voulais vous montrer. C'est l'instruction load que vous voyez en deux là sur l'écran. Alors load, c'est du classique, ok, mais on charge quoi ? Qui vient d'où ? Il n'y a pas d'interface cassette, il n'y a pas de lecteur de disquette. Et surtout, il n'y a pas de save. Il n'y a pas d'instruction save pour sauvegarder ces jeux. Et bien l'instruction load, elle permet de charger un programme stocké en mémoire. Alors, si on fait load 1 par exemple, ready, ok, super. Et si je fais run, ça fait quoi ? Ok, load 1, c'est le premier jeu. Donc si je fais clear, il stoppe le jeu. Hop. Si je fais load 2, normalement, ça devrait être le deuxième jeu. C'est ça, c'est le deuxième jeu. Hop, je l'arrête. Bim. Donc on imagine que load 3, load 4, ça va être le troisième et le quatrième jeu. Donc je vais directement faire un load 5 pour voir s'il y a un cinquième jeu caché quelque part. Bon, déjà il m'a fait ready, donc c'est bizarre. Ça veut dire qu'il a bien chargé quelque chose. Et il y a bien un programme qui se charge en load 5, un programme caché dont on ne m'a pas parlé. Je vais faire run tout de suite. Nero. Je sais pas moi, Nero. Nero 7. Il attend que j'appuie sur une touche. Appuyons sur les touches. Ok, c'est un petit programme qui permet de jouer comme sur un piano numérique. En appuyant sur les touches du pavé numérique. C'est rigolo. Et il s'avère en fait que le programme que je viens de charger est un programme qu'on retrouve dans la doc. Donc à partir du numéro 5, load 5, load 6, load 7, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais charge des programmes qui sont effectivement stockés en mémoire et qui sont les programmes d'exemple présentés dans la doc. Donc on va essayer load, load 6, ok, run. Ah, c'est le programme justement que je voulais montrer. Et effectivement, c'est un programme qu'on trouve dans la doc. C'est un petit programme qui affiche les 32 sprites qui sont stockés en ROM dans la console et que l'on peut utiliser pour nos jeux. Alors, on retrouve les 8 premiers sprites en haut, ceux qu'on trouve dans l'éditeur de sprites et qu'on peut modifier à volonté. Mais à partir du Pac-Man à lunettes jusqu'à l'explosion, ce sont des sprites qui sont stockés en mémoire et qu'on ne peut pas modifier, mais qu'on peut utiliser. Donc dans l'instruction sprite que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un numéro d'identification comme paramètre, puis des coordonnées x, y, et le dernier numéro, c'était quel sprite stocké en mémoire on voulait utiliser comme dessin. Eh bien, ça se réfère à ces numéros-là. On va essayer de faire le load 7, voir quel programme c'est, tant qu'on y est. Ça ne se peut pas, Junior. Ah, c'est un jeu de mathématiques? C'est un jeu d'éducation de mathématiques? Ça va faire du 97, ça, non? Cool! Ça fait au moins du 100 tour en. Ok, 57. En fait, c'est horrible ce genre de jeu, c'est nul. Mais par fierté, je me retrouve toujours à essayer de rentrer les bons résultats. Parce que j'ai l'impression qu'on va me critiquer sinon. Donc, essayons de dire n'importe quoi, voir comment il le gère. Aïe. J'en étais à 7. Je vais faire 8. Load 8. Il y a un autre programme. Run. Push start button. Yes. Ah ouais. C'est un jeu caché qui n'est pas proposé dans les 4 premiers jeux de la... C'est un easter egg en fait. C'est le premier easter egg de l'histoire. Non. Not, pas en 86, non. Mais c'est rigolo parce que c'est un jeu assez complet et qui est caché. Donc si je sors la deuxième manette, effectivement, c'est un jeu à deux. Donc Load 8, c'était un jeu caché, une sorte de jeu à deux joueurs, une sorte de Pong avec des fruits, des escargots et des vaisseaux spatiaux. Ok, du coup, est-ce qu'il reste un Load 9? Un autre programme caché dont personne n'avait trouvé l'existence avant moi? Let's find out. Alors, Load 9. Vous êtes prêts? If error. Non, il n'y a pas de Load 9. Ouah, je suis déçu. List.
Oh, po. C'est quoi ce bordel? Il a bien chargé quelque chose avec l'autre neuf, mais quelque chose qui est incompréhensible, comme si on était aux confins du monde virtuel de la super cassette vision. Bref, il n'y a rien de plus. Ok, ben on a bien fait le tour de ce que proposait la cartouche super basique. On a testé toutes les options du menu, on a joué un peu à tous les jeux qui étaient proposés, on est rentré dans le basique, on a testé quelques instructions les plus importantes, et maintenant on est prêt à essayer de programmer notre propre jeu. Are you ready? Let's go! La magie du montage vidéo, puisque entre tout à l'heure et maintenant, eh bien, j'ai programmé le jeu que je vais vous montrer tout de suite, qui est un croisement entre Space Race et Meteor Mission, enfin dans ce style. Vous allez voir, c'est grâce à la puissance de ce petit basique et surtout la gestion des sprites que tout cela est possible. Alors vous avez bien compris, c'est gavé chiant de taper un programme avec ça et le pad numérique, hein. Voilà, bien que le programme soit pas très long, le plus long justement c'était de rentrer toutes les instructions via la manette et le pad. Alors, je vais vous montrer rapidement la longueur du programme en faisant la liste. Le listing est pas très long, concrètement si peu de lignes pour générer un jeu assez fluide avec des sprites dans tous les sens, vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors je vous montre d'abord ce que ça donne, comment on joue, puis après je vous expliquerai un peu les phases essentielles dans le programme. 5 run. Voilà, alors le concept du jeu, c'est que vous avez un vaisseau en bas ici, et vous devez atteindre la base spatiale qui va de droite à gauche en haut. Vous commencez avec 3 vies. Vous êtes au niveau 1, et la difficulté principale, c'est d'éviter les astéroïdes qui se baladent partout dans cette partie de l'espace. À chaque fois qu'on passe un niveau, un astéroïde se rajoute, ce qui augmente la difficulté du jeu. Alors là, le programme attend qu'on appuie sur un bouton pour démarrer. Alors on va attendre que les météores passent sur nous. Voilà. Hop, je démarre. Le vaisseau avance tout seul. D'accord? Je peux accélérer un peu plus en allant vers le haut, ou ralentir en allant vers le bas, et puis à droite à gauche, je peux me déplacer. Donc là, je vais essayer d'atteindre la base spatiale qui se déplace légèrement vite, mais peut-être qu'avec le rebond, je vais réussir à la voir. Voilà. Donc niveau 2, il y a un astéroïde de plus, et on va essayer d'aller de plus en plus loin. J'appuie sur le bouton. Vous voyez que la vitesse de la base spatiale en haut est variable. À chaque fois qu'elle touche un bord et qu'elle revient, elle a une vitesse un peu différente. Ok. Niveau 3. Alors vous voyez qu'en quelques lignes de basique, vous avez vu le listing, hein, c'était pas très long. Ah, là j'ai touché l'astéroïde. Vous voyez qu'en quelques lignes de basique, je disais, on arrive à faire un jeu fluide avec plein de sprites à l'écran. Oula, faut que je me dépêche. Ouf. Et donc, contrairement à la plupart des autres basiques qu'on trouve sur les ordinateurs de l'époque, des débuts des années 80, là, on n'est pas embêté du tout par la vitesse d'exécution du programme. Et c'est ça qui est génial. Parce que essayer de faire ça sur un ZX Spectrum, un Commodore 64, quoique Commodore 64 gère un peu les sprites. Mais en termes de rapidité, sur un, voilà, sur un Noric 1, etc., on va être emmerdé. Du moment qu'il va y avoir une dizaine d'objets à l'écran qu'on veut faire bouger dans tous les sens, ben, tout va être ralenti. Je ne parle pas de la gestion des collisions, parce que là, il faut tout programmer soi-même, et le temps que le programme soit exécuté, ça ralentit tout ça. Allez, accélère, accélère, parce que. Wow, j'ai frôlé l'astéroïde là. Là, il me suit de près, il va falloir que je fasse gaffe. Espérer voilà, que la base revienne pas trop vite. Ça fait penser aussi au jeu Astéroïde d'Atari, évidemment. Sauf que là, on ne peut pas tirer. Meteor Mission, Moon Rescue, etc. Vous savez, c'est le. Merde. C'est le genre de jeu où il faut passer à travers un champ d'astéroïdes pour atterrir, récupérer des gens qui sont abandonnés sur la planète et les ramener à la base spatiale. Donc c'est un peu inspiré de ça. Mais je disais, on pense aussi à Space Race, un des tout premiers jeux vidéo en arcade, où le but était à deux joueurs de franchir un champ d'astéroïdes le plus de fois possible. Donc c'est un peu un mix des deux. Voilà, level 9. Là, ça commence à être très chaud. Il me reste juste une vie.
Je sais pas si j'ai passé un jour le level 9. Un jour. Ah, je suis censé l'avoir programmé tout à l'heure. Eh oui, level 10. Allez, soyons fous. Essayons de naviguer au milieu de tout ça. Bon, 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 bon. Voilà. Eh merde, game over. Ok. Voilà, c'était mon petit jeu sur Super Cassette Vision. On va regarder maintenant rapidement le listing pour que je vous explique un peu comment j'ai fait ça. Alors, je vais refaire un list et faire pause à chaque fois pour vous montrer les différentes étapes. Alors, en 10, c'est important, c'est On Crash Gozub 390 et Crash On. Ça veut dire que si le sprite qui a l'ID 0 se retrouve en collision avec un autre sprite, alors il faudra aller à la sous-routine en ligne 390. Et Crash On juste après veut dire qu'on active justement la gestion des collisions. Parce que ailleurs dans le programme, j'ai fait un Crash Off, ce qui permet au démarrage du jeu, vous avez vu, quand la console demande d'appuyer sur un bouton pour démarrer, eh bien on est en mode Crash Off, il n'y a pas de gestion de collision, parce que les astéroïdes peuvent vous passer dessus sans que le programme réagisse. On efface l'écran, on a des premiers cossus qui vont préparer justement le niveau et afficher, appuyer sur une touche pour démarrer le jeu. En ligne 60, c'est important, K égale Joy 0, c'est une instruction qui sert à lire l'état du joystick, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de bouger la manette à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc toutes les lignes qui suivent sont en rapport avec ça et c'est pour déplacer le vaisseau. À partir de 110, on a ici la gestion de la vitesse du vaisseau, donc que j'ai réglé pour que le vaisseau avance tout seul, mais que ça aille pas trop vite non plus à son maximum vertical et horizontal. En ligne 150, Move 0 UW, là c'est une ligne importante, puisque c'est cette instruction qui va faire bouger le vaisseau à la vitesse qu'on a calculée, verticale et horizontale. 160, C égale X sprite 3. Ici, on récupère en fait la coordonnée X du sprite qui a l'ID numéro 3, c'est-à-dire en fait la base spatiale. Et oui, parce que je veux checker si elle arrive à un bord de l'écran pour lui faire faire des allers-retours. Si on ne fait pas ça, les sprites disparaissent de l'écran tout seul et réapparaissent de l'autre côté. C'est le fonctionnement normal, moi je voulais lui faire faire un aller-retour. Et à chaque fois que la base bute sur le bord de l'écran, je lui calcule une vitesse au hasard pour que ça soit un peu plus fun. Voilà, et puis le programme boucle comme ça. Donc là, jusqu'en ligne 200, c'est la boucle principale du programme, il n'y a presque rien, c'est fou. En 210, c'est la première sous-routine, c'est là où quand on démarre un nouveau niveau, on va afficher les météores à l'écran. Et vous voyez que ça, c'est fait hyper facilement. For i égale 1 to m, c'est-à-dire que la variable m, elle augmente au fur et à mesure des niveaux pour dire combien on veut afficher de météores à l'écran. Et donc, on fait une boucle avec ça, et à chaque fois, vous voyez, en ligne 230, on crée un nouveau sprite avec des coordonnées de RND 127 pour les X et Y, ça veut dire des coordonnées complètement au hasard. Donc chaque météore va s'afficher au hasard sur l'écran. Et en ligne 240, c'est important aussi, on a un move qui va déplacer chaque météore qu'on vient de créer, là aussi à une vitesse verticale et horizontale aléatoire. Et une fois qu'on a fait ça, next I, et c'est bon, la machine elle va gérer tout seul le truc, il n'y a plus rien à faire. Bon, à partir de la ligne 260, là j'affiche aussi la base spatiale à une coordonnée X au hasard et à une vitesse aléatoire également. J'affiche le niveau et c'est bon. Et puis là, on a affaire à la dernière routine en 310. Donc ça, c'est la routine qui va nous afficher appuyer sur le bouton pour commencer. Donc on fait un crash off, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il n'y ait plus de gestion de collision. On affiche avec un locate le texte « Push button to start ». Et puis en ligne 350, if joy p égale 0, then go to 350. Ça veut dire qu'en fait, tant que le joueur n'a pas appuyé sur le bouton de la manette, alors on reste sur cette ligne. Et si jamais il appuie sur un bouton, alors on fait un crash on et un return, et hop, le jeu va commencer. Enfin, en 390, c'est important. Qu'est-ce que c'est? C'est la dernière sous-routine, et c'est celle qui gère les collisions. Et oui, vous vous rappelez, en ligne 10, on avait On Crash Go Sub, ce qui voulait dire si jamais le vaisseau rentre en collision avec quelque chose, alors on va à cette sous-routine en 390. Et là, dans la variable Z, Z égale Crash 0, on récupère le numéro d'identification du sprite qui est rentré en collision avec le vaisseau. Si jamais Z est supérieur à 4, alors ce sont les météores,
et donc on enlève une vie et on recommence. Et si Z est égal à 4, alors c'est la base spatiale. À ce moment-là, on émet un petit bruit, on augmente le niveau et le nombre de météores, et c'est reparti pour un nouveau niveau. Et puis la fin du listing, c'est juste l'affichage du game over quand il n'y a plus de vie. Et voilà. Il n'y a pratiquement rien dans ce programme. Et pourtant, c'est jouable, fluide, et il y a plein de sprites à l'écran. Moi, je trouve ça génial. Alors, je suis assez fier de moi, mais le problème, c'est que je ne peux pas sauvegarder ce programme. Il n'y a pas d'interface cassette sur la cartouche, ni sur la console, évidemment. Donc, en fait, le programme est condamné à rester dans la cartouche tant qu'il y a des piles, mais je ne peux pas l'archiver. Non, le seul moyen, c'est de l'écrire à la main sur une feuille de papier ou sur un notepad pour sauvegarder le texte, le listing du fichier. Mais pour partager avec d'autres utilisateurs de la Super Cassette Vision qui ont la cartouche super basique, c'est-à-dire 3 personnes dans le monde, eh bien en fait je suis niqué. Je peux juste leur envoyer le listing et il faut qu'ils se tapent une petite heure quand même à rentrer le listing dans leur cartouche via le pad et la manette. Et voilà, on a fait le tour de cette cartouche de programmation basique. On a testé toutes ses possibilités, les jeux inclus avec la cartouche, les 4 petits jeux, l'éditeur de sprite et surtout l'option de programmation basique pour laquelle je vous ai montré comment on utilisait certaines instructions. Mais le clou du spectacle, c'est ce petit jeu qu'on a réussi à programmer sur la Super Cassette Vision. Alors dommage qu'on ne puisse pas sauvegarder le jeu sur cassette, mais je vous mettrai quand même en description un lien pour récupérer le listing pour ceux qui sont intéressés. Je me dis que ça ne va pas concerner grand monde quand même, hein. Parce qu'il faut avoir une super cassette vision, il faut avoir la cartouche basique, il faut avoir le courage de retaper le programme sur sa machine pour au final ne pas pouvoir le sauvegarder non plus. Bref, ça m'a fait trop kiffer de tester cet accessoire complètement loufoque. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je retesterai souvent des accessoires comme ça qui permettent de programmer les anciennes consoles de jeu. Je trouve ça assez fascinant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez m'aider à avoir un peu plus de public, merci de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et encore mieux de vous abonner si le contenu vous plaît, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Allez, merci, je vous dis à très vite et ciao !